Hello guys! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 52 de votre journée. On est samedi. Hier, c'était la pire journée de ma vie. J'avais hâte que ça finisse. Dieu, je me suis emmerdée. Qu'à la dernière, ma classe me cassait les couilles. Comme on peut dire ça méchamment. Ou qui me cassait les plombes, qui m'énervait. Ou que j'avais envie de tout frapper. Mais je gardais mon calme. Ça n'a pas rapport, mais je voulais vous le dire. Du coup, aujourd'hui, ben, je ne fais rien. Je regardais des vidéos. Puis c'est pas mal ça, parce que j'ai rien à faire. Du coup... Voilà. Voilà, je vais aller déjeuner. Pas tout de suite, mais bientôt. Puis ben... C'est ça. Bisous, à tantôt. Salut tout le monde, il est 8h25, je me suis levée il y a quelques minutes, mais voilà. Désolée, hier j'ai presque pas filmé, genre je vous ai pas parlé. C'est que ce que j'ai filmé, c'est que des accélérés de moi qui mangeais, bref, hier soir j'ai appris à coudre, du coup je vais peut-être vous montrer un peu ce matin. C'est ça. Voilà. Du coup, je vais peut-être déjeuner. Je vais me réveiller un peu plus. Je vais me déjeuner. Je vais reconnaître mon oncle. J'ai un oncle qui s'est décollé dans la nuit. Puis, je vous dis à tantôt pour la suite de la journée. Ah, ce filtre. Vous savez quoi? Couper. On oublie, je change de filtre. Ah, c'est mieux comme ça, on voit plus mon blanc. Après, moi, c'est mon impression. Mais bon, bref. C'est pour ça l'importance. En plus, on voit la date, mais la date est à l'envers. C'est tout à fait ça. Bref, je vous parle parce que, faut pas que je vous parle au lieu de mettre très toujours des accélérés. Hein, parce que, maintenant, vous allez trouver ça chier dans la vidéo, par exemple. Puis tantôt, je me brosse les cheveux. J'en ai envie de quoi? J'ai envie de me brosser les cheveux. J'ai une autre affaire. Ben là, je vais écouter. J'ai accroché le bouton d'arrêter. Ça passe pas. Bravo, Sam. Je vais écouter pour la première fois, mais j'ai envie de le réécouter. Le premier Spider-Man. Pas le genre les Spider-Man, pas ceux-là. Là, genre, parce qu'il y a là, genre, plein de Spider-Man. Là, genre, ils ont fait une génération des Spider-Man. Là, il y a les trois ici. Là, le 1, 2 et 3, je les ai vus. Quand Peter Parker est amoureux de Mary Jane. Mais moi, je parle de plutôt des Amazing Spider-Man. Donc le 1 et le 2, quand Parker, il est amoureux de Gwen Stacy, mon personnage préféré, qu'on trouvait là tellement l'affaire réelle. Genre réelle, genre pas... Oui, elle est réelle dans les films, mais je veux dire en personnage de Ghost Spider.
Spider-Woman ou Spider-Gwen, quand elle est mordue par une araignée radioactive. On devrait tellement faire un film sur ça. Il y a des bandes-annonces, mais le problème est que les bandes-annonces sont fausses. Parce que il y a une bande-annonce où on voit Peter et son ami Ned, je crois, qui sont dans la rue, mais ça, c'est dans le Spider-Man Homecoming. Du coup, c'est pas pareil. Et on voit aussi, parce qu'ils ont dit que c'était genre Sabrina je sais plus son nom de famille, qui faisait... Voyons Gwen en version héros. Mais c'est des bouts d'une autre histoire. Mais oui, il y a des bouts genre qu'on voit son costume, etc. Mais je sais que c'est faux, c'est pas vrai. J'aimerais tellement qu'on la voie en réalité. Là. Ce serait malade parce que je trouve qu'elle est sous-cotée. Elle est très présente dans des animés, mais elle est sous-cotée en réalité. Et pourtant, c'est un personnage de Marvel. Du coup, voilà. Et une fille qui aide Spider-Man dans ses missions. Et qui aide aussi Miles, c'est quoi son nom? Voyons. Miles. Ben, je sais plus son nom. C'est quoi? Attendez 3 secondes. C'est Miles Morales. Qui est? Dans Spider-Man New Generation, là. C'est aussi un animé où il y a Gwen Stacy. Mon dieu! 3 secondes. Il y a des gens dans mon. Ben, déjà, j'aime bien que. Je disais avant qu'on me dérange que oui, elle joue dedans. Donc, aussi à l'aide de Miles Morales. Parce que dans un sort Spider-Man animé, là, Spider-Man, là, Miles découvre ses pouvoirs et il les aide. Puis après ça, Gwen va découvrir ses pouvoirs grâce à une explosion. Elle va les perdre, elle va les retrouver. Elle, dans les animés, elle a. Ben, dans un des animés, Spider-Man, elle n'a pas été mordue par une radio active, une araignée radioactive, mais bon, vous en foutez complètement, mais c'était juste pour vous parler en général, là, parce que, voilà. Donc là, je vais écouter, ben, c'est ça, le premier de Spider-Man, mais pas le premier, de l'Amazing Spider-Man, de lui, de 2012. Voilà. Du coup, ben, je vous dis à plus tard. Puis c'est ça. Ah, j'aime trop. Non, mais par exemple, ce film, ça venait un de mes deuxièmes préférés, hein. Parce qu'on voit tellement plus mon blanc avec celui-là. Bref, on sera pas les reins. Bisous. Je suis fatiguée en plus. Une chance que demain. Je voulais dire une chance que demain je suis à la maison et non à l'école. Parce que sinon, je crois que j'aurais resté à la maison quand même. Du coup, parce que je crois que c'est ça que j'aurais dû faire vendredi. Bref, parce que vendredi c'était la pire journée de ma vie. Bref, sur ce, je vous dis bisous.